Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve en mode vraiment plage. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog comme vous vous en doutez je pense. Oh, je suis désolée, il n'y a encore pas eu de vidéo dimanche mais franchement j'essaye vraiment de garder le rythme des deux vidéos par semaine mais c'est ultra compliqué. J'essaie vraiment de profiter un max des chevaux etc, mais je vous ai vraiment promis tout au long de l'année que j'allais vous faire énormément de contenu durant l'été et là ce n'est pas le cas, donc je vais vraiment essayer de me rattraper, mais s'il vous plaît ne m'en voulez pas parce que je pense que vous pouvez aussi comprendre que tourner des vidéos en pleine vacances d'été ce n'est pas aussi facile qu'on pourrait le penser. Bref, en tout cas, là ça fait à peu près une semaine que j'y vais à l'équitation tous les jours, voir mon petit cacou, voir les chevaux en général, au moins ça m'occupe le matin et je suis extrêmement contente. Vous donner des petites nouvelles de cacou. Alors cacou va très bien, va beaucoup mieux parce que comme vous l'avez vu la dernière fois il était au box à cause d'un petit souci de santé. En fait cacou a développé une carétite, c'est ça, si je ne le prononce pas je le mettrai à l'écran. C'est tout simplement un petit truc aux yeux qu'il a attrapé à cause du soleil. En fait au pré il a trop été au soleil, donc du coup ses yeux se sont défendus comme il pouvait. Donc du coup en fait il a juste il fallait juste lui mettre de la crème tous les jours, donc c'est pour ça qu'il était au box parce que sinon le prix est loin. Bref, en tout cas là avec son frère Oregon que vous avez déjà vu je pense aussi dans des vidéos, ils sont tous les deux au pré, ça y est ils sont rentrés tous les deux au pré. Voilà, donc là en tout cas ils sont tous les deux au pré avec leur masque à mouche anti-UV parce que oui bien sûr Kaku à cause de ses petits problèmes d'yeux causés par le soleil, il était hors de question de le remettre en pré sans bonnet à mouche. Du coup la propriétaire c'est très bien parce qu'elle a aussi trouvé des masques à mouches anti-UV, donc en fait ça leur fait des lunettes de soleil. Je vous mets une photo de Kaku ici avec son masque à mouche, franchement il est trop mignon, on dirait un apiculteur, un cosmonaute, il est adorable. Alors, en tout cas je suis extrêmement rassurée qu'il ait pu retourner au pré parce que là vraiment il n'en pouvait plus du box. Je comprends mais on le sortait quand même plus de 1 heure par jour, enfin en fait 2 heures le matin, 2 heures le soir, il n'y avait pas encore trop de soleil dans la carrière, donc il sortait quand même plusieurs fois par jour tous les jours. Mais c'est vrai que franchement au box la nuit et tout c'est un petit peu chiant pour lui, mais voilà. Aussi là je vais vous mettre plein d'extraits que j'ai fait tout au long de la semaine en m'occupant de Kaku etc, donc il faut savoir que j'ai fait plein de choses avec lui pour le distraire un maximum quand j'étais là et quand il était au box, parce que forcément pour lui c'est pas facile psychologiquement, donc je vous mets plein d'extraits. C'est magnifique mon cœur. Qu'est-ce que t'es beau mon cœur. Bon bah salut hein. Salut mon cœur. Oh, on a envie de bailler. Ah bah là mon cœur. On est fatigué. On est fatigué mon cœur. Regardez-moi ce cheval. T'es trop beau mon chat comme ça. T'es tout beau. C'est ton caca. C'est ton caca. J'en étais sûre, c'était sûr. Vraiment. Non mais trop mignon. Oh non, vous êtes touchant. Douce mais voilà. Oh là. Ouais. Oh bah oui. Bonjour tout le monde, du coup aujourd'hui je suis allée voir mon petit Kaku et mon petit Oregon
au pré. Donc là, comme vous pouvez voir, il a... enfin, ils ont leur nouveau pré. Enfin, leur nouveau. C'était l'ancien pré des juments. Et voilà. Vous pouvez admirer sa magnifique tête avec son bonnet à mouche, mon petit chat. Caco, tu viens ? Je viens de leur donner une petite pomme. C'est pour ça que lui, il est aussi collant. Hein, Oregon ? Oh, mon chat. Donc voilà. Donc c'est ça, le beau bonnet à mouche anti-UV. Magnifique. Et là, voilà. Donc, ils ont de l'eau. Et ces bagues, je sais pas à quoi elles servent, mais apparemment Kaku les aime beaucoup pour les lécher. À mon chat. À mon chat. T'es beau. Voilà. Donc je suis venue leur dire bonjour aujourd'hui. Il y a les petits poneys qui sont là, mais sinon ils sont tous partis en promenade. Kaku, est-ce que tu peux me dire me voir s'il te plaît juste 2 secondes. 2 minutes. Bon. Ah, t'es trop mignon avec ta grosse langue. Préro dans leur pré. Voilà, mais Oregon. Oregon, il a un pré rempli d'herbe. Je sais pas si vous voyez là-bas. Là, c'est rempli d'herbe. Bon, un petit peu cramé par les chaleurs, mais il y a de l'herbe. Et le mec, il vient bouffer là, le truc où il y a rien. Il y a rien. Où il y a rien. Bon, bah, salut mon cœur. Hein, si tu peux pas venir me voir. Trop mignon. Regardez-moi cette beauté. Petit horizon qui est couché. Bonjour! Coucou mon cacou! Toi, je viens te chercher. Tu dois faire une petite balade poney, mon chat. Regardez, tout le monde va me voir dès le matin. Sympa. Ça va, mon cacou? Ouais! Alors, rassurez-vous, ils sont pas du tout dans le même pré. Hein. Ils sont... qu'est-ce qu'ils ont foutu avec la bâche? Ça, c'est cacou, ça. Oh là là. Allez, mon chat, je vais te prendre. Coucou! Du coup, je me retrouve à bord de mon super bolide. Du coup, là, je suis en direction vers le Horse Club. Si vous allez réussir à m'entendre avec le vent, mais en fait il y a le maréchal qui vient vendredi pour tout le monde, pour les ferrés, et en fait il y a tout le monde dans les prés d'hiver quoi, donc les prés hyper loin, et comme c'est vendredi et que là nous sommes mercredi, du coup on va tous les ramener dans le pré d'été, enfin en tout cas tous les ongles et tous les juments, on va les regrouper séparément dans les prés, mais voilà. Je ne sais pas du tout si vous m'avez comprise, mais en tout cas il faut juste que bah, voilà, on déplace les juments et les ongles, donc c'est super. Là il y a un stop, donc on va s'arrêter. J'adore, moi, y aller à vélo. En plus, il y a un temps de rêve. Je sais même pas où je suis. Voilà, il y a vraiment un temps de rêve. Ok, je suis bien arrivée au Horse Club. Du coup, mes copines elles sont pas encore là, donc c'est pas grave. Je vais attendre avec Oregon qui est juste là et Kaku juste derrière. Je sais pas si vous l'avez vu. Donc voilà, je vais attendre tranquillement avec mes petits bébés qui sont là. Enfin, mes petits pots de colle plutôt. Et voilà. Voilà. Ça c'est Oregon et ça c'est Kaku. 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 Coucou! Regardez sa petite tête trop mignonne avec son masque à mouche en train de manger du foin. Là-bas, on a Fifi qui est toute seule. Et là-bas, on a tous les poneys. Mais la pauvre Fifi, elle est toute seule en train de brouter. Enfin, brouter. Comme vous pouvez voir, les terrains sont très secs et il n'y a pas d'herbe parce que, bah, regardez-moi ce temps. Avec les grandes chaleurs comme ça, l'herbe, elle ne résiste pas. Donc voilà, il faudrait juste un petit peu de soleil, mais vous inquiétez pas, là-bas ils ont une grosse botte de foin. Alors oui, en fait je me suis cassé un ongle, du coup j'ai plus d'ongle, enfin j'en ai un, mais vous savez j'ai plus de blanc. Du coup j'ai mis ça parce que vraiment ça me dégoûte. Et voilà, et comme vous pouvez le voir, Kaku en fait la démonstration, ils ont aussi du foin. Les deux amours. Hop, on va aller voir Raphaël et Merlin. Ah non mais attends, ils sont tout au fond. Ils sont tout au fond du pré. Vous allez sûrement pas les voir. Mais vous, enfin, c'est sûr même, vous n'avez pas... Ah si, là c'est Raphaël et là c'est Merlin. C'est deux pensions et il faut dans les jours qui suivent, je vais sûrement vous montrer Raphaël parce que j'aime trop sa race. C'est une fjord et franchement, enfin un fjord, mais du coup comme c'est une fille, une fjord. Et franchement, elle est magnifique. T'as été sage mon chat. Ton poney. Passion les choses de retour. Regardez tes pieds. Enfin, là c'est pas du tout fini, il a juste enlevé la corde. Trop mignon. Coup non, mais là j'en ai deux là. Oui, mais c'est une chose. Donc, ensemble, c'est un bipé. On est parti. Ouais, mon cœur. Oui, mon chat. Viens, mon cœur.
T'es bon. Mon marqueur. Là, t'es trop mignon. Avec tes petits pieds. T'es trop mignon, tes petits pieds. T'es trop mignon. T'es trop mignon. De retour au pré, le petit chat. Trop mignon. Les gars, il faut absolument que je vous raconte ce qui vient de se passer. Déjà, avant de commencer, oui, j'ai un bouton. Déjà, pour vous revenir un petit peu à la journée de hier, donc hier, comme vous l'avez vu, il y a le maréchal qui est venu hors club pour ferrer tous les chevaux pour reprendre un petit peu la saison. Alors oui, ça reprend en août, mais si vous avez suivi mes anciens vlogs, vous savez que dans ce hors club, en juillet, en fait, ils n'avaient pas du tout trouvé de monitrice ou de moniteur d'ailleurs, mais du coup, il y en a une d'ailleurs pour août. Voilà, donc d'ailleurs, c'était le maréchal qui s'occupait des chevaux du Puy du Fou, donc le Puy du Fou, le parc d'attractions hyper connu, c'est celui du coup qui ferrait les chevaux du Puy du Fou. Ça n'a pas trop son importance, mais du coup, ce matin, ce qui vient de se passer est juste extraordinaire. Attends, je vais à l'équitation comme d'habitude, et là, quand je veux partir, la propriétaire me demande si je veux monter cet après-midi. Que en fait, le premier cours de la saison avec la monitrice, c'est lundi, le 1er août, sauf que moi je pars. Et le 1er août, c'est un cours débutant, mais genre débutant. Pour éviter que les chevaux pètent en l'air, parce que ça fait plus de 10 mois qu'ils n'ont pas été montés. Enfin, ils sont montés genre une fois tous les 3 mois, mais c'est pas assez pour les remettre en jambes. Voilà, du coup je vais pouvoir monter cet après-midi pour les remettre un petit peu en route. Donc on est 4 avec mes copines bien sûr. Donc elle a proposé, parce qu'en fait comme on s'occupe du horse club tous les jours, comme on vient tous les jours pour les aider, c'était ça notre récompense. Je suis hyper heureuse. Bien sûr, j'ai demandé aux filles si Kaku allait te monter. Elles m'ont dit que oui. Et bien sûr, qui va le prendre? C'est moi. Ah donc, je suis trop contente parce que hier, mon papa, il m'a ramené tout mon sac d'équitation. Vraiment, je lui ai demandé. Je savais même pas que j'allais monter. Hein, mais je lui ai juste demandé s'il pouvait juste me ramener mon sac au cas où. Et il a bien fait. Je suis trop contente. Son tapis Dance With Him, j'en suis sûre qu'il va tellement bien aller à Kaku. Ah, je suis trop contente les gars, je vous jure. Je sais pas du tout si vous aurez des images. Je vais demander à mon papa peut-être de rester un petit peu avec moi pour vous montrer. Mais je suis ravie. Tout prêt mon chat. Je vais le brosser. Je vais lui tester la brosse massante. Pardon, papa. Bien sûr, je filmais pas. En train de manger. Oh, ça lui fait du bien. Oui, c'est fait exprès. Moi, c'est bien.
Alors oui, je le bois, je le filme tout le temps. Et alors ? Moi, j'ai beaucoup de souvenirs. Bois encore, Kakou ! Voilà. Oh, il est beau quand même.